underline or emphasize how good the car was, and I can honestly say it doesn't undermine my capabilities as a driver that any of the top drivers or any of us, you know, few top drivers you know you can name us, you know, could have won the rally with that car. It would not have necessarily needed me. The car is very, very good. Rallye des Mille Lacs, 8e manche du championnat du monde des constructeurs, 1500 km, 50 épreuves de classement, à ce rythme. Contraste entre l'austérité des caractères et la rusticité des paysages, la bronca des pilotes et l'agressivité des machines. Au départ, les plus grands spécialistes de la compétition routière, les fabuleux Finlandais volants. Dans ce contexte, la Peugeot 205 Turbo 16 dispute le troisième rallye de sa courte carrière qui a débuté il y a 4 mois en Corse. La toute première partie de la course se déroule sous le signe des Lancia. Marc Huallen met l'accent sur les qualités de maniabilité de sa voiture, alors que sur la Peugeot, Ari Vatanen profite des premiers kilomètres pour parfaire la mise au point des suspensions. Les Audi Quattro se placent légèrement en retrait, les Toyota, les Nissan, les Renault sont déjà distancés. Au terme des 12 premières épreuves de classement, les problèmes d'amortissement de la 205 ne sont plus qu'un souvenir et Vatanen accède à la première place du rallye. L'architecture, la technologie avancée, le comportement équilibré de la Peugeot font toute la différence sur ce terrain sans pitié. Mais en course, deux choses sont essentielles, la performance et la fiabilité. Il reste encore 150 km d'épreuve, Ari a environ 1 minute 30 d'avance et tout peut arriver. Et oui, Jean-Todd, c'est vrai, tout peut arriver. Vatanen et la 205 Turbo 16 poursuivent leur route triomphale. Lancia résiste, Allen et Toivonen sont à la limite quelquefois au-delà. Les Audi Quattro, Blomqvist et Mikkola perdent du terrain. Et puis, à l'exubérance succède le chaos des adversaires de Peugeot. Allen accablé, défait, qui n'y croit plus. Ari Vatanen va très fort. Et vous, par rapport à Ari? Bah, on se tient, Ari a gagné des spéciales, moi d'autres. Votre pronostic? Vous savez, il reste encore beaucoup de route, quelque chose comme 20 spéciales. Pensez-vous pouvoir gagner? Difficile à dire, mais j'espère faire un bon résultat. Chez Vatanen, en revanche, l'enthousiasme est intact.
Ari, votre position actuelle? Toujours en tête. Pensez-vous pouvoir gagner? Bien sûr, c'est possible, mais il est prématuré d'en parler. Ça va comment? Tout va bien, la voiture fonctionne bien, l'ambiance est bonne, mais il y a encore pas mal de route à faire. Pas de problème? Non, je suis très content de la voiture. Rencontrée au hasard des dernières épreuves de classement après sa sortie de route, la championne française Michèle Mouton. Après la Corse et la Grèce, on s'attendait à ce que la Peugeot fasse quelque chose de très fort ici aussi. Mais je crois que c'est une très belle bagarre avec Marcou et j'espère que nos Audi ne vont pas fléchir sur la fin parce que je trouve que c'est une très belle bagarre. Le classement du rallye dans l'ordre, premier Ari Vatanen, Terry Harriman sur Peugeot 205 Turbo 16. Il précède les deux Lancia, Marco Allen et Henri Toivonen. L'Audi Quattro de Blomqvist et plus loin la Toyota de Kankkunen. Oui, vraiment, la Peugeot 205 Turbo 16 vient d'ouvrir une ère nouvelle dans le monde des rallyes. Nous sommes le premier constructeur à s'être engagé avec un choix technique qui paraissait, je dirais, très osé, c'est-à-dire 4 roues motrices, moteur central turbo-compressé, avec un empattement très important. Je crois que maintenant, pour triompher en rallye, eh bien, c'est la nouvelle recette. Chez tous les membres de Peugeot-Talbot Sport, la joie et l'émotion des grandes victoires. Le triomphe Peugeot est complet. Il s'achève par la deuxième place en groupe N de cette 205 GTI, premier équipage non finlandais dans la catégorie. La conclusion de Jacques Delubac, directeur général adjoint d'Automobile Peugeot. La compétition est la preuve de la dynamique de l'entreprise et va bien au-delà du produit et de l'évolution du produit, puisqu'autour de la compétition, c'est la motivation de tous les hommes de l'entreprise qui peut être développée et par là même forger un véritable esprit d'entreprise dont on a bien besoin aujourd'hui pour se défendre dans la compétitivité mondiale.